صرح المدير العام للجمارك الجزائرية طاهر بن قدور بوجود هيئة وزارية مشتركة لإيجاد حل لوكلاء السيارات فيما يخص سياراتهم المتوقفة في الحدود، مؤكدا عن قرب إصدار قرار وزاري في الأيام القادمة لحل المشكل. محمد سعدوي. Il y a un comité donc interministériel qui se penche sur la question. Il y a un premier arrêté qui a été donc promulgué, signé et promulgué. Déjà, la problématique a été réglée pour donc une bonne partie des véhicules qui étaient en souffrance au niveau des frontières. Nous continuons donc à travailler et normalement dans les semaines qui suivent, il y a un projet d'arrêté interministériel aussi qui va être soumis à l'autorité supérieure pour régler les situations qui restent parce que c'est des mesures tout à fait transitoires et qui méritent donc, si vous voulez, un accompagnement d'ordre réglementaire. Et nous sommes donc normalement, il y a un avant-projet qui a été donc finalisé, qui va être soumis donc à l'avis et l'approbation de l'autorité dans les meilleurs délais possibles. كما صرح بن قدور عن قرب الإفراج عن قانون الجمارك المعدل الذي انتهى من إعداده ليمر على الحكومة في البرلمان. محمد سعدوي. والله احنا عندنا في 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 الجانب الجمركي احنا عندنا مشروع قانون الجمارك مراجع ل يعني on l'a terminé et qui a été bien enrichi, qui a été soumis à une expertise. Il y a eu une dernière lecture qui a été faite tout récemment, la semaine dernière. Donc maintenant, on attend l'approbation. Donc il va être approuvé, donc adopté par le gouvernement, et puis c'est son chemin vers la PN. Nous espérons, Inch'Allah, qu'il marche la PN à un moment. Comme ça, on aura un code qui va répondre aux standards internationaux et qui va être donc au diapason des exigences de la conjoncture actuelle qui exige de nous d'accompagner نرافقوا الاستثمار المنتج الجزائري. هذا وكشف المدير العام للجمارك الجزائرية طاهر بن قدور عن قرب اتخاذ جملة من الإجراءات التسهيلية التي تصب في صالح المصدرين الجزائريين. Et nous comptons, Inch'Allah, dans les mois qui suivent, nous comptons, Inch'Allah, mettre en place des procédures douanières personnalisées dédiées à l'exportation. Nous allons reprendre un peu les procédures de bout en bout, nous allons les triturer, nous allons les enrichir, nous allons les simplifier et ça va être donc un dispositif qui va être dédié spécialement au développement et à la promotion de l'exportation du produit algérien.